Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine soir, du visage. Quand je suis maquillée, je vais me démaquiller les yeux avec le style des masques de Je me vais Maybelline, avec un coton lavable des Tendances d'Emma que j'adore. Ça m'a permis d'économiser du coton et voilà. Donc je me démaquille le visage soit avec une petite miniature de Clinique Renais Solution, démaquillée en faisant anti-rougeur. Voilà. Et j'alterne avec Shake Me Baby de Pulpe de Vie, qui est un démaquillant biphasé 4 en 1, sans alcool, sans huile essentielle. Il fait quoi? C'est une huile démaquillante qui nettoie, qui démaquille, tonifie, hydrate votre frimousse tout en douceur. J'aime bien la marque Pulpe de Vie qu'on peut trouver en Provence. Voilà. Et quand je ne suis pas maquillée, je me démaquille tout mon visage avec une eau démaquillante micellaire, visage et yeux. Voilà, de Galénic. Avec toujours mon contour lavable des Tendances d'Emma. Donc ensuite, quand je suis démaquillée, je vais nettoyer mon visage avec nettoyage avec le gel nettoyant sans savon de Clinance, d'Avène ou Thermal. Voilà. Ensuite j'attends un peu, je vais me tamponner avec une barbouillette ou une serviette. Je me vaporise de l'eau florale de fleur d'oranger bigaradier bio sur tout mon visage. Je masse, je laisse pénétrer et j'attends que ça sèche. Ensuite, comme le matin, je mets du sérum fin dans mes yeux parce que j'ai les yeux très 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 sensibles. Pour m'hydrater la peau, je mets, parce qu'en ce moment j'ai une peau assez, comme j'ai une peau très sèche là, j'ai beaucoup de la peau qui pèle. Donc je mets de l'huile d'amande douce de Carrefour, j'essaie d'en trouver une autre, voilà, pour m'hydrater. Avec en combo une crème de beauté nuit de Pulpe de Nuit, amande du soir, une pompe. Pour le contour des yeux, je mets Fais-moi de l'œil de Pulpe de Vie, qui est un masque anti-poche, cerne, ride. Voilà, je mets sur tout le contour de l'œil, sur la paupière, je laisse de la nuit et j'hydrate avec mes lèvres avec le baume Carmex. Voilà pour ma routine soin du soir. Ensuite, plusieurs fois dans la semaine, je vais faire des masques. Et tous les 15 jours, voilà, je fais un gommage. Comme j'ai la peau très sensible et très sèche, j'essaie de ne pas trop gommer, de gommer mon visage, et parce que ça agresse beaucoup ma peau. Donc j'exfolie avec Bio Beauté by Nux exfoliant confort aux fruits rouges, visage, peau sensible. Voilà. Voilà. Et fouet, celui-là, ben, j'alterne et de temps en temps, parce que ça c'est le masque, pardon. Voilà, ça c'est, voilà, le, comment ça s'appelle, ben, le, comment ça s'appelle, le, je gomme, voilà, mon visage avec ça, et après je fais des masques. Bon, ceux-là je fais souvent, donc c'est un masque apaisant
peau sensible intolérante, la Kraline de Bioderma, que j'ai presque terminée. Et sinon, j'alterne avec un masque adoucissant qui est nuage de crème à la guimauve de Belle à Croquer, que j'adore. Ça sent trop bon. Ça va, il m'en reste quand même pas mal. Et celui-là, c'est un masque bioconcentré nettoyant qui s'appelle le Soin Purifiant Absolution, que j'ai eu dans ma little box, qui purifie, éclaire, resserre les pores. Donc ça, je le fais pas tout le temps, parce que c'est quand même... ça me pique, bon c'est sûr, ça purifie la peau, mais ça pique. Pardon. Et ensuite, je vais gommer mes lèvres, que je fais souvent avant de mettre mon rouge à lèvres quand vraiment mes lèvres sont très 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 gercées. Aujourd'hui je dis beaucoup très, hein. Et voilà pour ma routine. Je vous ai pas souhaité une bonne année, tous mes voeux pour cette année, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. J'espère que sera meilleure que l'année dernière. Pour moi, que je continue dans ma lancée, je vous ferai encore plus de vidéos comme j'ai commencé fin 2013. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à poser des questions, je réponds avec plaisir. Voilà. Alors, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut, bye.